Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 28 novembre. Il est 5h17. Fait que oui, je suis debout très tôt, samedi. Je suis avec mon coco, quelque part là. Ouais. Il est venu me rejoindre dans le lit ce matin. Puis, tu sais, vu que je suis comme habituée de me lever à cette heure-là. Ben, en fait, il est venu me rejoindre, il était à environ 4h30. Fait que, tu sais, vu que mon horloge biologique est pas mal habituée de se réveiller vers cette heure-là, ben, je me suis levée avec lui. Puis, ça donne que ce matin, il s'y lève vraiment pas. Ouais. Avant hier, il a vomi une fois, juste avant le bain. Fait qu'on l'a gardé à la maison jeudi, vendredi. C'est avant hier qu'il a vomi. Non, Léo, tu attends, s'il te plaît. Ouais, fait qu'on l'a gardé. En fait, il est allé chez lui jeudi, vendredi. Puis là, ce matin. Léo. Oui, je le sais, Calbert, il est là. Il est venu me rejoindre dans le lit tantôt, puis je le trouvais chaud. Il fait de la fièvre, il tousse, puis il a le nez bien plein. Encore une fois. Oh, que c'est le fun. Du sirop. Je vais aller le chercher, le sirop, ok? Ok. J'ai J'ai un petit coco malade encore ce matin. Fait que là, je lui ai donné du Tylenol. J'ai vidé son nez. On va voir ce que ça donne. Je t'aime. Il est rendu 6h52. J'ai fait un entraînement full body, fait que un entraînement pour tout le corps. Puis après ça, j'ai fait un peu de danse avec Fitness Marshall sur YouTube. Puis là, petit coco, il joue avec le truc, genre un petit stylo interactif là. Fait que il est en train de jouer avec ça. Il a fait un petit peu de temps de tablette pendant que je m'entraînais. Fait que là, c'est ça, on passe à des jeux autres qu'un écran. Fait que là, il fait un petit peu de du petit stylo. Puis après ça, on va voir là, quel autre petit jeu qu'on fait ensemble. Moi, je suis en train de me demander si je déjeune tout de suite. Parce que... Ouais, j'avais faim pis pas faim en même temps, fait que... Je sais pas trop ce que je vais faire. Bravo, mon loulou! Ouais. J'étais quand même fatiguée aujourd'hui. Je me souviens pas si j'en ai parlé, mais hier, dans le fond, c'était une journée pédagogique à mon travail. Puis, on avait beaucoup de rencontres de parents. Fait qu'hier, j'avais 7 rencontres de parents. Donc, 7 sur 8. Dans le fond, j'ai 8 enfants dans mon groupe. J'en avais déjà une que j'avais fait la semaine passée, une rencontre de parents. Fait que là, hier, j'en avais 7. J'étais vraiment brûlée. Fait que, tu sais, hier, ma journée s'est résumée à rencontre de parents.
décoré, tu sais, préparé un petit peu ma classe là, pour le temps des fêtes. Fait que j'ai comme amené mon petit sapin puis mes petites décorations de Noël. Fait que, parce que moi, dans le fond, dans ma classe, je fais comme un sapin de l'Avent. Fait qu'à tous les jours, on a comme une petite boîte puis il y a une décoration pour le sapin qui apparaît. Fait qu'à tous les jours, dans le fond, il y a un ami qui rouvre la boîte puis qui décore, tu sais, qui met une petite décoration sur le sapin. Fait que j'ai préparé ça. Puis j'ai aussi fait comme une rotation de mes jeux, une rotation de mes livres dans ma classe. Fait que c'est pas mal juste ça que j'ai eu le temps de faire hier. Fait que tu sais, j'étais quand même très brûlée parce que moi, ben c'est le genre de journée qui est brûlante pour n'importe qui. Puis on dirait que, tu sais, pour moi, avec mon anxiété sociale, c'est comme ouh, encore pire. Mais ça l'a super bien été, vraiment. J'ai des bons parents, fait que ça l'a très très bien été. Puis hier soir, moi puis mon chum, on a écouté le premier épisode de His Dark Materials. Fait que c'est... Oh, il y a un écureuil. C'est l'émission, si vous avez écouté ma Q&A, c'est l'émission qui est basée sur la trilogie À la croisée des mondes. Je voulais vraiment l'écouter avec mon chum, puis hier, il a finalement accepté d'écouter le premier épisode. Puis je suis en amour. C'est comme, c'est tellement fidèle, en tout cas à date le premier épisode, c'est tellement fidèle au livre que je suis vraiment satisfaite. Genre, la petite fille en moi, hier, capotait. Tu sais, quand j'entendais les termes qui étaient utilisés, j'étais là, oh, moi ça me rappelle des souvenirs. C'est vraiment très bon. Ouais, fait que, ça, hier on s'est couché vers 9h30 environ. J'étais ben fatiguée. Tu t'amuses? Oui? Je me rends compte que je vous ai pas beaucoup parlé aujourd'hui finalement. Mais c'est ça, ça a été quand même une journée ben semi-relax et semi-occupée, je dirais. C'est ça, ce matin j'ai passé l'avant-midi avec Léo, après ça mon chum s'est levé aussi, fait qu'on a fait des jeux ensemble. Après ça, je suis allée faire une sieste. Je suis allée me coucher, il était 11h je pense. Me suis réveillée, il était 2h. J'étais trop fatiguée après ma courte nuit avec Léo. Avec ça, j'ai fait une sieste. On est allé jouer au parc. On a pris une marche. Puis, avant d'aller coucher, Lionel, on a fait la cocotte magique. Fait que c'est ça, dans le fond, Léo il a arrosé notre cocotte pour faire pousser un sapin et... Quand il va se réveiller demain matin, le sapin va être là. Fait que la formule magique pour la cocotte magique? Ben, oh, pour la cocotte.
c'est cocotte, cocotte. Cocotte, cocotte. Tu le sais bien. Super. Après t'avoir saupoudré, saupoudré. Ok. Après t'avoir saupoudré, saupoudré. Oui. Tu deviendras un sapin. Oui. Tu deviendras un sapin. Est-ce que tu vas aller l'arroser avec les brillants? Avec les brillants magiques qui font pousser les sapins? C'est prêt, papa. Tu es prêt? Vas-y. Fais ça comme ça. Ok. Oh, oh, oh. Sur la cocotte. Comme ça. Cocotte, cocotte. Oh! Wow! Fait que c'est ça, j'ai installé le sapin. J'ai mis les boules de Noël puis les décorations à côté. Fait que demain, on va faire ça. Puis, j'ai aussi décoré le piano. Fait que j'ai mis ma petite banderole, le fa-la-la-la-la. On a un lutin. Moi, j'ai pas de lutin coquin tannant, là, mais je m'en sers comme décoration de Noël. Puis, j'ai un petit... j'ai trouvé les maisons de Noël à mes parents. Dans ce sol. Fait que je les ai installés! Ils sont tellement cute. Je les ai pas toutes pris parce que c'est ça, je voulais juste faire un petit setup sur le piano. Fait que je trouvais que ça faisait parfait de cette façon-là. J'ai sorti aussi notre couronne de Noël qu'on va pouvoir installer dehors demain. J'ai mis la guirlande dans l'escalier. Elle le fait vraiment sombre. Je vous montre tout ça, mais oups. Ouais. J'ai mis la guirlande dans l'escalier. Puis mes parents aujourd'hui sont allés au Costco. Ouch! Puis ils nous ont acheté. Ben, je pense que c'est plus au Walmart qui ont pris ça, là, mais en tout cas, ils sont allés à Lévis pour aller au Costco. Puis après, ils sont arrêtés chez Walmart. Fait qu'ils nous ont pris. Un kit de lumière de Noël qu'on va installer dehors. Fait qu'on est ouch, bien nerveux. Puis j'ai hâte de voir la face à Léo demain quand il va se réveiller puis qu'il va avoir des décorations puis le sapin puis tout. J'ai vraiment hâte de voir la petite face demain matin. Ben, je vais voir là, si c'est moi qui va se lever en premier ou si ça va être mon chum ou si les deux on va se lever en même temps. Mais probablement que je vais me faire comme un petit spécial. Là, fait que une fois qu'on va être tous debout, il nous reste un tube de brioche à la cannelle. Je vais chercher loin. Fait que probablement que je vais comme faire cuire des brioches, je vais me faire un café avec le choco crème de chocolat favori, puis on va pouvoir décorer le sapin puis tout. Ça va être vraiment plaisant, j'ai hâte. C'est comme le premier Noël que Léo est comme vraiment conscient puis qui est excité, puis qui est, qui aime ça, il tripe ses lumières de Noël sérieusement, fait que je pense qu'il va être très 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 content. J'ai hâte de voir. Hey, mon chum a chauffé le poêle puis je meurs de chaleur. Petite parenthèse, là. T'sais, il fait quand même chaud dehors, là. Il fait 2. Puis, sérieux, ben vous voyez, là. J'ai vraiment très très chaud. Fait que là, je pense que je vais aller me mettre en pitch. Aller m'installer pour faire un petit peu de lecture. Pour être en forme demain. J'ai parti. Excusez mon nez, mais j'ai parti une brassée de lavage avant de monter me coucher. C'est comme ça, ça va déjà être enclenché demain. Parce que c'est ça, demain, ça va être décoration du sapin, lavage, puis. Un peu de meal prep. Cette semaine, j'ai vraiment fait... On a fait une épicerie, genre, minime. Parce que je voulais un peu vider du stock qu'on avait. Fait que...
C'est ça, je vais faire 10 000 pups, mais c'est rien de bien, bien extrême. Ce soir, par exemple, j'ai fait une recette qui était vraiment bonne, vraiment simple. Puis je pense que ma mère faisait quelque chose de semblable quand j'étais jeune. C'est vraiment un vide de frigo garde-manger, là. C'est des pâtes. Dans le fond, tu fais cuire des pâtes. Moi, c'était un fond de boîte de petites coquilles puis un fond de boîte de penne. Fait que j'ai fait cuire les pâtes. Dans un chaudron, tu fais comme une sauce blanche là, avec du lait. Il me semble que c'était genre 300 ml de lait. Avec une cuillère à table de fécule de maïs mélangée avec de l'eau un petit peu. Là. Fait que tu te fais une sauce blanche avec ça. Fait que tu mets ta sauce avec les pâtes. Tu mets genre une tasse de petits pois congelés, une canne de thon. Puis tu mets un petit peu de fromage cheddar sur dessus pour gratiner. Tu mets ça au four. C'était vraiment bon. Mais c'est ça, on dirait que ça me rappelait des souvenirs. Fait que je pense que ma mère faisait peut-être ça quand j'étais petite. Fait que c'est ça, demain, dans mes trucs que je me suis noté avec du stock qu'on a, ben on va se faire du spag. Parce que j'ai fait de la sauce à spag la semaine passée. J'ai trouvé une recette de genre couscous au thon. Fait qu'on va faire ça. J'ai trouvé une recette comme pour faire des pois chiches à la chinoise. On va essayer ça. Sinon, je vais faire comme une espèce de poulet avec la sauce hoisin, voisin. La sauce, je sais pas si ça s'appelle de la sauce voisin ou de la sauce hoisin, mais en tout cas, cette sauce-là avec des légumes. Puis j'ai une recette de grilled cheese un peu plus fancy qu'on peut se faire aussi. Puis sinon, ben, les classiques... genre sandwich aux œufs ou des crêpes ou des choses comme ça. Fait que c'est de la popote que je vais me faire demain. Puis ça va être nos options pour cette semaine. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais conclure mon vlog là-dessus. Puis je vais pouvoir en commencer un autre avec toutes nos décorations et tout. Si vous avez entendu mon chum, parce qu'il est en train de gamer. J'imagine qu'il est mort. Parce que c'était un cri de détresse. Je vous dirais un beau gros merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé une belle journée ou une belle nuit. Puis on va se revoir bientôt. Bye!